Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes au nôtre, retour de vacances. Alors pour cette rentrée, alors déjà j'ai décidé de faire mes 3 minutes au nôtre avec un micro-casque. Je pense que la prise de son sera meilleure. Donc n'hésitez pas à me dire c'est mieux pour vous, enfin j'espère. Sinon je suis toujours un peu en train de galérer, c'est la galère. Ce dont j'ai à vous parler, j'ai plein de choses à vous raconter. D'abord, ça, hop, Colt Express Bandit, ça sort normalement les 3 premiers demain en boutique. Et dans Colt Express Bandit, on a à chaque fois un petit bandit, ici, avec à l'intérieur, oups, des petits punchs, hop, des petites cartes, hop, qui vont permettre, et une petite règle bien sûr, qui est hop, ici, qui vont permettre aux gens de jouer le bandit, de faire jouer le bandit tout seul. Donc ça va rendre le jeu, rajouter un peu plus de fun et de chaos dans les parties à 2-3 joueurs, puis plutôt des objectifs, des choses comme ça à faire ensemble pour les autres joueurs dans les parties plus nombreux. Donc c'est bien cool et ça sort rapidement. Une petite parenthèse pour les boutiques qui ont reçu ce display en carton là, normalement, enfin, ou qui vont le recevoir en même temps. J'ai mis un lien dans la description de la vidéo là pour une vidéo où je suis en train de le monter, d'expliquer comment ça se monte. Les autres, ça présente que peu d'intérêt, sauf si vous aimez voir un gars galérer à monter un bout de carton. Mais voilà, pour les boutiques, ça peut être cool. Ensuite, je vais vous parler de ça, Atlandice. C'est une boîte de prod, elle est là, elle est prête. Ça sort dans 15 jours, 3 semaines. Voilà, donc ça, c'est très très cool. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais faire une autre vidéo très très rapidement avec un unboxing de la boîte. Puis je ferai une petite vidéo d'explication de règles. Et puis voilà. Et ça sera après pour dans 3 semaines, ça sera en boutique et puis ça sera aussi en préco pour en vente sur notre site SN. Parce que voilà, autre chose dont je vais vous parler, c'est SN, ça commence à se préparer. Je vais mettre le site de prévente en ligne la semaine prochaine, on va dire, histoire d'être large. Et puis il y a une nouvelle pour SN cette année, un petit truc qu'on a décidé de faire. Je vais vous montrer juste ça. Hop! Vous allez me dire pourquoi il y a la boîte d'Yggdrasil, c'est la première version là, ils nous teasent depuis des mois sur une V2, etc. Alors oui, la V2 ça va sortir, c'est prêt, là il faut que je commence à contacter illustrateurs, qu'on se décide vraiment si on va mettre des figues dedans ou pas, etc. Il y a plein de choses, mais du coup ça sortira fin de l'année prochaine plutôt. J'ai encore un peu des tests à faire sur les scénars, tout ça. Et comme on a plein de demandes sur la V1 d'Yggdrasil, on se dit que c'est peut-être une bonne idée de juste en refaire printer quelques-unes. Donc en fait, on a fait printer 1000 boîtes. Donc vous imaginez que ça coûte un genou et demi. Et donc du coup, on va les vendre uniquement sur SN, en pré-vente, en direct aux gens, parce que c'est pas possible de les vendre avec les marges classiques dans le circuit boutique en imprimant si peu de jeux. Donc voilà, donc ça va être aussi pour SN. Donc suivez je referai une vidéo dessus, hein, voilà, ça va arriver. Et puis la dernière chose, puis je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai déjà dépassé mes 3 minutes, c'est je vous montre, c'est juste ça, parce que ça je suis super content. C'est, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est une planche pour Space Gate Odyssey, qui est quasiment terminée d'illustrer et qui est super cool. Et voilà, comme c'est mon petit bébé, ben je suis tout excité avec ça. Et ça sortira plutôt au début de l'année prochaine, sans doute pour Cannes. Voilà, ben, je suis arrivé au bout. Je vous dis à tout bientôt. Et puis je refais très vite des vidéos sur plein de sujets. Salut, salut!